bienvenue sur Golf Technique. Aujourd'hui, une situation qui arrive quand même assez souvent. Je suis sur le fairway, mais sur le côté du fairway, et pas de chance, il y a un arbre qui a poussé entre ma balle et le trou. Et j'ai plusieurs options, parmi lesquelles passer à travers en force, qui marche rarement, et faire tourner la balle, passer dessous ou passer dessus. En l'occurrence, là, le plus simple, comme ça monte, c'est de passer par-dessus pour espérer atteindre le green ou, si jamais c'est un peu court en tout cas, être assez proche du green avec une approche qui va encore être en montée. Donc pour ce faire, je vais jouer sur différents leviers, différents moyens. La première chose, c'est que je vais jouer sur le placement de la balle par rapport à moi. En fait, plus ma balle est en arrière, plus mon club va être vertical, donc moins ça va monter, normalement, en tout cas au départ. Plus ma balle est en avant, et plus ça devrait monter. Alors forcément, il y a toujours un bémol, c'est que si j'en fais trop, je passe carrément au-dessus ou en remontant, puis ça fait un top. Donc, la première chose sur laquelle je vais jouer, je vais décaler la balle légèrement en avant par rapport à mon emplacement habituel. La deuxième chose sur laquelle je vais jouer, c'est sur le placement de mon corps. Plus j'ouvre mon pied, plus mon genou va être actif, plus mon corps va avancer, plus la balle va être basse. Plus je vais fermer le pied, plus le genou va être bloqué, plus mon corps va être stable et derrière la balle, plus la balle va être haute. Comme tout le reste, il ne faut pas en faire trop. En fait, je vais cumuler différentes petites options comme celle-ci pour modifier la hauteur de ma balle. La troisième option, c'est que plus je fais un swing avec mon corps, plus je vais directement aller vers le trou, plus la balle va être basse. Et à l'inverse, plus j'utilise un système de brin, plus je vais générer de la hauteur. De la déperdition d'énergie en longueur, mais en tout cas de la hauteur. Donc je vais jouer sur ces trois choses. C'est-à-dire qu'en fait, je vais décaler ma balle un tout petit peu à gauche. Je vais fermer un tout petit peu mon pied gauche et je vais jouer un tout petit peu plus que d'habitude avec mes bras. Parce que si je fais trop d'une des solutions, eh bien en général, j'obtiens une catastrophe. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe. Go! Alors, je vais faire une balle normale. Donc, balle normale, je me centre à peu près sur ma balle. Je fais mon swing que je sais faire d'habitude. Je laisse bien le poids du corps venir à gauche et je regarde ce que fait la trajectoire. Plein dans là. Donc maintenant, je vais faire ma solution. Alors, je prends ma position normale parce qu'il faut toujours que j'ai des repères. Hein. De cette position normale, entre guillemets, je vais me décaler, aller de 3 cm vers l'arrière, pas plus. Je vais fermer un tout petit peu le pied gauche et je vais essayer de mettre un peu plus de bras autour de mon corps stable pour générer plus d'effet, plus de hauteur. C'est parti, 3, 2, 1. C'est passé.